Jean-Baptiste, c'est ton deuxième match avec les Diables Noirs. Quel est ton bilan personnel? Je pense que moi perso, on fait des bons matchs. Devant, on est. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont plus dire des petits belges. Ils vont dire putain, c'est quand même des costauds devant. Ils se font pas bouger. Quand on regarde le match contre la Géorgie devant, malgré les 4-5 dernières mêlées, on était. Je pense qu'on n'a pas reculé un mètre. Là aujourd'hui même, on avance. Là, quand De Mulder il marque, c'est soit marqué, soit essayer de pénétrer tellement qu'on avance. Je pense que. Non, je pense que c'est une équipe qui progresse et que ça se voit qu'on progresse et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont avoir peur de nous. Et pourtant, la défaite est au bout des 80 minutes, une défaite quelque peu injuste. Ben, elle est très injuste parce qu'on domine, à un moment donné on avance, on perd des ballons bêtement. Après, ça arrive et c'est un match de rugby. On ne peut pas être parfait, sinon on jouerait tous en top 14. Mais non, je trouve que tout le monde a fait un bon match. Après, à la fin, il y a de la fatigue, je pense, aussi. Mais à part ça, franchement, tout le monde a fait un bon match pour moi. Et toi qui as connu déjà les stades du top 14, qu'est-ce que ça te fait de jouer ici dans le petit Ezel? C'est pareil, jouer en équipe nationale ou avec le stade, ils ont tous des jambes, ils ont tous des crampons, hein, ils ont tous un maillot, alors ça reste pareil. Après, je t'avoue que ça me fait vraiment plaisir de jouer avec l'équipe nationale et d'avoir dit oui, parce que c'est quand même une fierté de jouer avec la Belgique pour moi. Donc tu en redemandes? Bien évidemment. Merci. De rien, avec plaisir.